Rendez-vous! Lâchez vos armes! Bravo. Et comment on fait pour redescendre? Et confiance! Je me rends! Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible! Impossible? C'est le pain quotidien des assassins, petit! Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! Élise? Eh bien, quel accueil? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Élise, je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moi un templier. Toi? Ça te surprend? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas... C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvée par terre dans la chambre de mon père. Cachetée. Je ne savais pas. Mon père, mon père. Comment aurais-je pu savoir? Va-t'en. Je t'en prie.
par le diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Probablement un voleur qui fuit les gares. Ah, le goujat.